Hey hey, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice, joie Astral Ascent, pardon, épisode 2, du coup. Whip. Tentative d'évasion 2, j'avais fait deux parties la dernière fois. C'est possible que j'ai mal joué et qu'on en a fait deux. C'est possible. On est arrivé à la deuxième zone, on était mort sur un boss optionnel, je crois me souvenir de ça à peu près. Zou! Apparemment on avait joué Kira la dernière fois. Ok. Hey, glad you're back. There's someone I would love you to meet. Seer Bappi is a knight and a fierce warrior. He will gauge your progress. D'accord. Seer Bappi. Fort bien. Yeah, c'était dur. C'est un capybara, si je dis pas de bêtises. Alors, marathon. Ok, donc tu me files des trucs wow, qui étaient un système de succès quoi. Très bien. Hop, faut aller te voir pour choper tout ce que t'as à nous filer quoi. Ok. C'est bon, j'ai tout. Super. Génial. Qu'est-ce t'as encore? One must be wearing armor to be respected as a knight. Très bien, monsieur. Attends, comment jouer à Astral Ascent déjà? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Ok. Et en effet, on peut cycler les magies avec LB. Très bien. Chose que une question que je me posais la dernière fois, il me semble. Ok. Bonjour. Fais voir, est-ce que je peux me booster un petit peu de la vie max encore? Pourquoi pas. 200 balles, allez hop. Oh non. 200 balles de mieux. On peut débloquer un truc pour... toi. Et zou. Et même deux. Et même... non. Bon, on va jouer avec toi aujourd'hui du coup. À moins que... à moins que non. À moins qu'on peut pas jouer avec eux encore, tristesse. Viens, on joue avec Ayla. Viens, bébé, on y va. Envole-moi, Sova. En avant. Yeehaw. Allez, troisième monde, sinon rien aujourd'hui. Bon, peut-être pas, on verra bien. Course infernale, silence vers l'avant. Fais voir, ça donne quoi ça? Non! C'était l'autre bouton. Bah, ça donne du quartz! Désolé. Ouais, bravo. Super. Super bien joué. On va commencer par prendre des clés, comme ça on les aura. Ouais, Miss Click, ouais. Miss Click, elle est pénible toujours à s'inviter quand on veut pas d'elle. Allez. Ah mince, je l'ai pas touché. Ok. Ça va, si tu mets que des petites graines, ça va pas être difficile. C'est quoi ces cerises? Vitesse augmentée, d'accord. Waouh! Fais vers le haut pour taper en haut, très bien. Du coup, j'ai vraiment mes 4 mains. Ah, J de base, zut, perfect. Mise bouton enfoncé longtemps. Ouais, mais c'est parce que. En fait. Voilà, pourquoi pas une petite plume? Allez, une petite plume. Quoique une petite plume, c'est pour booster une magie. Je vais booster quelle magie là? Non, on va chercher une magie du coup. Allez, zou. Quand même. Allez, zou. Presque arrivé? Bah, pas vraiment, hein. On vient de commencer là, chérie, donc. Pas vraiment bientôt arrivé. Quoi. Ah, j'avais oublié ça. Il m'a grignoté le jus. Réclamer récompense. Ouais, lis les commandes à gauche, ça t'évitera des bêtises. Encore des trucs avec le poison. Bah écoute, j'espère qu'à un moment on aura du poison du coup. J'ai deux auras hein, en rapport avec.
Pef. Oh, un petit coffre qui traîne. Ou à l'autre, et... Ah, oh, il m'a grignoté le jus encore, hein. Possible ce pays, on peut pas se balader sans se faire grignoter le jus par n'importe quel plantouille, quoi. Ah, je crois que c'était la fin du niveau. Aïe. Aïe. Oh putain, elle est bien placée celle-là, tiens. Il partira sans, ce serait con. Un sort utilitaire, bah j'en ai pas donc je le prends. Aperçu du sort, c'est LB, voilà. Ah. Oui, je l'équipe. Oui. Voilà. Des clés, bah je les ai déjà claquées donc pourquoi pas en reprendre. En plus, le combat ça va vite, c'est très bien, ça me met dans le bain. Allez. Je vais appliquer du poison avec cette aura. Ah mince, je peux pas voir mon inventaire. Drôle, je peux faire une emote. Ah si, voilà. Tu vois, c'est des dégâts en plus. Ah, pardon. Excuse-moi. J'ai mal lu encore. Ajoute aux attaques un effet poison et le poison fait plus de dégâts. Donc on est parfait en fait. Nickel, on est parfait. Ah, bougez plus, vous. Ça, c'est fait. Aveugle man. Non, c'est juste que je suis illettré et que j'ai pas lu. C'est différent. Là où j'étais aveugle, c'est que j'ai pas vu qu'il y avait une aura avec des petites flèches et l'autre qui était juste le symbole du poison. Pas mal les dégâts de poison. C'est pas mal. On perd quand même beaucoup de PV pour le premier niveau du jeu, mais bon, écoute, voilà, c'est pas la partie de chauffe, on va dire. Tiens. Voilà, regarde, tout va bien maintenant. 3 étoiles, 2 étoiles, bah 3 étoiles, allez, avec un petit gambit qu'on va mettre sur quoi? Sur rien, donc non, on prend le quartz là. Ce serait bien de faire monter. Ce serait bien de choper des étoiles quand même. Oh, tant pis, vas-y. Arrête de dire qu'on y est presque, on n'y est pas presque du tout, et là en fait. Ah, je l'avais pas vu le petit nounours qui tape sur son tronc. Ah, c'est assez long à recharger quand même la compétence active. D'accord, étoile gratos. Bah écoute. Pourquoi pas. Non! Ah non, j'arrive pas. Si, c'est bon. Je veux pas me faire croquer le jus par les plantouilles. Oh non. Non, c'est bon, pas besoin de ça. Plus en tout cas. Ah. Yeah. Tout va bien. T'as pas très fort encore, mais on a eu aucune amélioration de dégâts, donc logique. Après, y a le poison, quoi. Ça nous aide. Fragment de feu après une explosion. C'est un projectile qui inflige flamme. D'accord. Mais moi je ne fais pas d'explosion. Du coup. On garde notre synergie poison. Ça me semble logique. Tous les effets appliqués à l'impact, et eh ben il n'y en a pas, donc c'est naze. Donc c'est con parce que c'est un bon gambit, mais c'est pas du tout ce qu'il nous faut maintenant. Donc, merci, voilà. Yes. Contre 11 quartz pour un gambit héroïque, merci quoi. Merci beaucoup du coup de main, mais...
Oh. Finally here. What do you want with me? Hear me out. You'll not be disappointed. Mm-hmm. I don't think you've got a chance to get out of here. Prove me wrong. Now. Okay. What's in it for me? Win my challenge and I'll join you. Yes, cool. Bon, on avait eu que celui de la Vierge hein, dans les versions précédentes du jeu, donc je suis très content là. Je pense qu'en effet, il faut battre le boss avant de pouvoir avoir ce genre de truc. Ça semble assez logique. Ça a l'air d'être le même défi que pour la Vierge. Ok. Ah non, c'est pas pareil. D'accord. Ça n'a pas l'air trop dur, ça, normalement. Ah! Ah. Ça va, on peut taper des trucs losanges autant qu'on veut. Ok, avec la magie, ça devrait aller. Yeah! Easy. Ça va. Yeah! Remember, we are not friends. On n'est pas amis? Ah bon? Bon, merde alors. Bon bah tant pis pour moi. Allez, on voit ça. Yeah. Yeah. C'est bon, on a une invoque. Cool. Cool, cool, cool. Ça, je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'il faudra faire à chaque fois que ça nous est proposé. 88. Bien, on avance. C'est un peu poussif niveau dégâts vu qu'on tape qu'avec nos trucs de base, mais. Je peux faire un peu de magie, mais c'est pas les meilleurs quoi. Allez. Yes. Tompé enfin. Je savais qu'on s'entendrait bien, mademoiselle Ayla. Avec ce genre de raisonnement, tu me plais bien. Quand même, les magies, ça tape très fort. Allez, hop. Zou. Ça se recharge très vite, surtout. Donc là, c'est que un point à chaque fois. Un combo, une magie, quoi. Oups. Bah, Juju, t'es con. Tu l'as pas vu venir ou quoi? Bref. Ah ah. Petit coffre. Non, mais croque pas le jus. Non. Yeah, plein de quartz. J'ai plus de clés? Eh ben on va chercher des clés, pas de problème, en avant. J'ai mana infini. Trop bien. Attends, faut quand même viser le monstre, s'il te plaît. C'est quand même mieux. Oh, ça y est, c'est fini. C'était bien quand ça a duré. Oups. Yeah. Miam. Oui, avec toutes les étoiles là. Attends, c'est avec les étoiles qu'on paye ici. Hein. Oh, j'ai un doute. Non, c'est ça. Tapez, il y a écrit. Je vais prendre ça du coup. Non, attends. Voilà. Vitesse d'attaque. Bah, ça veut dire taper aussi. Là, il y a écrit taper. Ah non, il m'en manque une. Ah non.
Mine. Tristesse. Ce serait bien d'avoir un autre sortilège à un moment, non, quand même. Peut-être pas tout faire avec les 4 magies de base, là. La petite lame éthérée, c'est mignon, mais... Pourquoi je peux pas changer de magie, là? Ah, c'était la dernière, du coup. D'accord, logique, logique. Hop ! Je vais sauter sur celle-là à chaque fois. Banane. Bon, enfin, la musique épique, ça va, hein. C'était juste un ennemi, quoi. Calmez-vous, hein. Oui, tapez ! Yes. Ça va, ça tape maintenant. Surtout quand on utilise notre petite magie. Vraiment que je mette ça dans la tête. Surtout quand elles sont pas chères comme ça. Même une magie pas chère, ça tape. Surtout celle-là à tête chercheuse, on est sûr qu'elle tape. Quasiment. Ouais. Voilà. Bah tu te régales donc ma petite Ayla, hein. T'as bien raison. Faut se faire plaisir. Yeah. Éternel instoppable. Très bien. Donc, aperçu. Pourquoi pas. Tac. Et donc, tac. Parfait. J'ai pas besoin de me soigner. On peut se faire cette petite explo avant le boss. Parfait, 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 en avant. Yeah! C'est rigolo en plus. Ah, j'aurais peut-être dû le garder pour là, parce que taper les deux avec la magie ça aurait été bien là, mais bon. Pas grave. Ça tape, ça tape, ça tape, c'est cool. Oh, encore, trop bien! Oups. Mais j'ai trampé les boutons. Ouais, toujours utile de taper, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je me suis même pas fait manger le jus. Les bruits des champis, c'est trop chou. Vraiment un petit animal trop chou. Ah! Ah, pas non! Attrape pas une fille comme ça! Bien niveau PV, on est bien, on est bien, on est bien. Il y a un petit temps de chauffe, mais ça va là. Ok. Et bah ouais. Après ça, ça va plutôt taper plein de fois. Ça, ça tape 3 fois. Tape plutôt sur ça. Hein. Tant qu'à faire. Et boss. Je suppose qu'on va pas avoir le taureau vu qu'il est dans notre poche. C'est qui? C'est la Vierge. You must be Isla. I have heard of you. And of your skills. I wish I could say the same. The name is Virgo. Allez, bim, prends sa gueule déjà. Well, show me what you're capable of. Je rêve où Ayla elle est en train de... Ok. Ah, bah maintenant, il va falloir assurer du coup. Oh la vache. Ouh. Ça, c'est un boss qu'on n'a jamais vu. On l'a vu en tant qu'invoque, mais... Regarde. Oh, c'est classe comment elle bouge. C'est que deux, très bien. Ça va. Un, deux.
Ça c'était 3 ça. D'accord. Putnaise! Ah, la fin, c'est ultra rapide! Merde, elle est pas à l'écran! Ah, comment ça craint grave! Ah, il m'a boosté quand même! Ah, ça va, il reste! Trop bien! Ah putain, il tape en même temps que moi, c'est trop cool! Ouh! Ah! Secours! J'arrive pas à ça. Ah la vache. On reste de lui laisser le temps de refaire sa grosse attaque, ce qui est pas bon. Toujours que deux, très bien. Ah ça y est, il est chargé. On avait dit là. Ah j'y étais presque. Peut-être pas, mais dans ma tête, si. Laissez-moi mon illusion. Ah, merde. Oh là 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 là, les esquives, là, ça passe plus. Hein. Bon, mais... Ouais. Donc tes petites bravades, là, tu te les gardes, s'il te plaît, parce qu'on a failli crever, là. Non, mais hein. Étoile filante. Ça a l'air cool. C'est quand il revient à moi que tout explose. Intéressant. C'est très marrant, vas-y on prend. Je risque de foncer dans les ennemis à essayer d'utiliser, mais bon. Pas grave, pas grave. C'est la lance folie Yali. Ça invoque Yali. D'accord, c'est des petits chats, c'est ça? Ah, cool. Il n'y a que toi qui es niveau 1, donc on va mettre sur toi. Ok. Voilà, à moitié de vie, c'est pas ouf. Clairement, mais bon, on y va. Désert rougeoyant, nous voilà. C'est déjà ça. Allez. D'accord. Je peux filer 20 pour... Ouais, ok. Des clés. Ah, plus intéressant déjà. Gambit. Débloquer un emplacement de compétences. Ah ouais, c'est cool. Trop drôle. En fait, il y en a plein avec des capes de couleurs différentes. Ok, on va prendre les clés. Marre-toi. Voilà. Nice. Ok. Ah bah, justement, ça tombe bien. Il a augmenté de 40%, c'est beaucoup, mais je vais pas rester longtemps en vie critique, donc laisse tomber. Alors, file-moi des clés, du coup. Hein. Je peux tenter deux fois, ça va me faire 30%, puis 60%. C'est pas ouf. On tente quand même. Ok, Bambi. Et baston pour se mettre les ennemis de la zone dans les mains là un peu. On les connaît pas ceux-là. Mais pas du tout, faut que tu arrêtes de dire ça. Ah, t'es en train de tirer sur... Ah
Ah, on a mis un coup de caillou. Ok, très bien. Ah bah voilà. Nickel. Encore. J'aime bien les salles de combat, ça va vite. Bon, c'est pas que je trouve que les... Que les niveaux soient particulièrement longs, mais bon. Ah, le petit Yali, je l'ai vu. Il a balancé les projectiles, c'était cool. Aïe. Ah, rangez vos queues, vous. Chaque fois j'utilise ma tornade, pas du tout quand aïe, pas du tout comme il faut par contre. Pas sûr qu'on est très loin encore en celle-là. On verra bien. Allez. Exploration requires precision. Passer au travers, très bien. Ok. Oups. Oh. C'est ça, t'as l'onde de choc et les tirs à tête chercheuse. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ça va revenir, ça va revenir. Vous avez vu la dernière fois. Hein. J'ai pas dû lâcher le jeu pendant si longtemps. Je me souviens plus du tout. Wouah! Wouah! Un moment quand même. Hein. D'accord. Ah. Oh, de la vie. Yeah, ben on va te garder prêt pour plus tard, hein, t'inquiète. On va prendre, hein. Il n'y a que là que je peux le mettre. Ok. Je vais crever, c'est sûr. C'est sûr. C'est tellement sûr que j'y vais pour. Allez, on va se booster un peu en sortilège maintenant qu'on en a. Range ta queue, je t'ai dit. Ok. Je crois que j'oublie que ce projectile me soigne un peu. Quoi. Ah, mais merde, je vais donc piéger. Merde, j'ai reperdu toute ma vie que je venais de gagner. Avec tous mes quartz, ce serait cool que je me chope quand même un... Ah bah voilà, ça. Alors attends, si je fais ça d'abord, puis ça. Puis ça. Puis ça. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ouais, je veux pas tomber là-bas. Oh là là là, si mauvais. Pas facile quand on connaît pas les amis. Hein. Ah, c'est bon ça. Regardez celle qui met du poison, mais on va diminuer les dégâts de poison, tant pis. Yeah. Alors, 5 PC, ça tue, d'accord. Je vais juste le mettre sur un truc de base, je crois.
Ça coûte pas cher, ça tape bien. On va le booster. Encore des clés. Ou... Bah, le soin, ce serait bien d'y aller plus tard. Mais écoute, vas-y, on va y aller. Histoire de pousser un peu plus loin. J'espère aller jusqu'au boss de cette zone quand même. Peut-être même voir celle d'après. Allez, allez, allez. Faut y croire. Hein. Ah, la tempête, elle est encore loin. Le boss, il est pas tout de suite, ma grande. C'est quoi, c'est? Ah, c'était de la vie pour des plumes, non? C'était quelque chose pour des plumes, mais je ne sais plus quoi. I can absorb power from this feather. Ok. Ouais, ça a 50 PV. Vas-y. A feather. Combien? 100? Allez, et après on se soigne. Ok. Voilà, tout va bien. Bah c'est... 3 ou 4. Allez, on tente le 4, vas-y. Pourquoi pas. Exploration requires precision. Ouais, 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 tu fais quoi toi déjà? Oh merde! Si mauvais, si mauvais. Oh! Allez! Et tu vas dedans. Oh là 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 là. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher sur celle-là. Allez, c'est bon. Ouais. Bah, va falloir qu'on s'entraîne. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. On va pas gagner la deuxième partie. Un sortilège, bah non, je viens de booster les autres. Des quartz, j'en ai pas vraiment besoin. Difficulté 6, la vache. Allez. C'est le problème de faire plein de combats, je crois. Des champions et tout, aïe aïe aïe. Ah. Bougez plus, suffit connerie. Car yes yes. C'est un peu faible aussi niveau vie, mais bon. Ah, donne-moi ça, toi. J'ai merdé. Un PV, hein. Un PV, un PV, un PV, c'est pas où. Oh, c'est quoi ça? T'as déjà vu, toi? Peut-être. Et touche. Yes. Yeah. J'espère que ça te tue, mais... Ah, pas du tout. Et devoir acheter le truc là-haut encore. Hein. Voilà. Pas cool, mais il va falloir. Hein. Si on veut aller plus loin. Allez. Et dans cette partie, Jus, t'as fait quoi avec ta thune? T'as acheté des, des trucs chouettes au magasin? J'ai acheté de la vie. Oups. Ah, quoique. J'ai 20 étoiles. Ouais, vas-y, je dois pouvoir au moins en prendre deux. C'était 8. J'espère que le prochain sera pas plus de 12. Pas le choix. Oh, c'est pas cher. Yeah. Ah oui.
S'il te plaît, juste avant le boss, merci beaucoup. Yes. C'est bien ça. J'aurai ma petite pierre. Nickel. Je suis à fond. Nickel. Alors, qui on va voir? Il y a au moins le lion dans cette zone, ça c'est sûr. Et après... Sagittaire et Bélier. Ok. C'est le lion. Assez logique. Ça fait un moment qu'on veut te poutrer ta face. Puis la première démo du jeu. On attend que ça. Voilà que tu tapes fort quand même. Hein. My name is Isla. I need to leave this place. So, so move over. Mm-hmm. I, Leo, cannot let you pass. This is my duty, and I shall die doing it. You leave me no other choice. Okay. Ah. Ouh. Merde, ça touche pas. Ça va en fait. T'as tellement de vie. Très marrant ça. Oh, ça va être très chiant. Ah, ça va être très chiant. Eh ben, pas eu le temps. Pourquoi je retourne devant lui? C'est une question. Ok, il nous fait la Goku 3. C'est tout? Ah non, c'est pas tout! Oh merde, y'a du feu. Il est bien. Oh, il enchaîne. Eh merde, couillon. C'est pas fini, non? D'accord. Putain, je l'ai vraiment pris celle-là. Chut. Ah, mais pourquoi tu restes dedans? Ah, on le passera pas. Eh merde. Ok, bon bah au moins on a vu ça en attaque ultime, hein. Globalement les boss ça va être ça à chaque fois. Essayer d'apprendre leur attaque ultime pour s'en débattouiller la fois d'après. Ok. Les attaques sont annoncées mais en même temps ça s'enchaîne assez vite. Hein. Comme la Vierge et son attaque ultime, là le truc des rocheux il fait schlac schlac. Je fais d'accord, bah, je m'étais dit que ça se passerait à peu près comme ça mais peut-être pas aussi rapidement. Quoi. Mais bon d'accord. Donc sauter puis faire une ruée avec le bon timing, ça passera. Le tourbillol là, faut passer au-dessus pour qu'il retourne vers la droite, puis retourner vers la gauche pour pas qu'il y ait du feu partout a priori. Et le truc où il saute et il tape, c'est juste interdit de se faire toucher par ça maintenant qu'on a compris le timing, c'est bon quoi. Ok, ce sera une prochaine fois. Parfait, parfait. Après on a bien du mal à construire des parties qui ont vaguement du sens. Hein, c'est... On prend ce qu'on nous donne et puis il n'y a pas grand chose qui se met en place. Ça, je suppose qu'en jouant plus et en débloquant plus de choses, ce sera beaucoup plus intéressant. On a bien du mal à trouver un intérêt à ce qu'on trouve en général, à part bah, ça tape, puis ça, bah, ça tape un peu aussi. Enfin voilà, c'est pas ouf quoi. Mais bon. D'accord, très bien. Ah, y'a tout le monde qui veut me parler, dis donc. Quelle popularité il a. Oui. Menu. Je sais pas trop quel est l'intérêt de nous faire aller comme ça, voir les bonhommes, pour juste faire clic-clic dans les menus et choper la récompense, mais bon, on le fera. Hein. Ça nous a donné beaucoup de points pour débloquer des trucs, donc très bien. Hop. C'est clairement aussi comme ça qu'on va y arriver. Hein.
Topé. Le placement d'aura, c'est hyper important, je pense, bien sûr. Et ça... Oui, évidemment aussi. Vimax, Madame Max, bon, vas-y, on s'en fout. Pour l'instant, ce serait intéressant, je veux dire, mais bon. Spells, oui, c'est bien, c'est bien. Ils sont pas débloqués. Et comme on a joué avec toi, on pourra jouer avec toi la prochaine fois. Croche pas de bâtard. Vas-y, moi je veux ça. Ah, on peut pas débloquer mieux, donc quoi. Voilà. Fort bien. Pourquoi tu veux encore me causer? Fous-moi la paix. C'est quoi ton problème? Je comprends pas pourquoi il y a d'autres magies dans ce menu-là, en fait. Ah, c'est des magies pour tout le monde, ça. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Fort bien. Et toi, tu veux me parler? I wish you a good day, so please to see Manas. I was trusted. Mais tu me dis rien en fait. Très bien. Eh ben écoute, fort bien. Ça nous fait des épisodes pas trop longs pour l'instant, mais bon, écoute. Hein. Clairement, les parties complètes sera genre 1h30, donc pour l'instant, faut juste s'en bouffer, débloquer progressivement les choses pour que les parties soient plus cool aussi, parce que c'est vrai que là. Partie qu'on vient de jouer, c'est bien pour apprendre les ennemis, mais... Il n'y a pas de grosse évolution de notre bonhomme, quoi, au cours de la partie. On chope des 5% de dégâts et c'est tout. Et avec très peu d'emplacement de gambit, c'est pas ouf non plus. D'où j'ai un gambit de départ, moi? Ah, c'est un bug graphique, d'accord, ok. Très bien. Bah écoute, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice jouer à Astral Ascend. J'espère que ça t'a plu et je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.